Mais ma saya sonota. Partie la sabati, comme une colonne,
occasion, comme vous le savez, lors des élections passées, le RPG arc-en-ciel a enregistré 14 élus. Mais fort malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Notre frère, l'ancien maire de la commune de Matoto, président de la délégation spéciale, qui devait être notre éclaireur à travers son expérience et tout le soutien qu'il a apporté pour notre parti, a tiré sa révérence à la veille de notre installation. Qu'il vous plaise de lui accorder une minute de silence. Monsieur Mohamed, docteur Mohamed Koumandian Keta, que son âme se repose en paix. Asseyez-vous. Que la terre lui soit légère. Comme les sages sont là, vont lui accorder les bénédictions. C'était le devoir pour nous de vous présenter les 14 conseillers et les membres du bureau exécutif communal de Matoto. Je vous remercie. Suite à la situation, chaque semaine, nous avons pris l'habitude de vous parler de la situation. Parce que nous avons déjà engagé un vaste programme de situation de Conakry jusqu'au dernier village du pays. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la force d'un parti politique réside dans son département. Ce qui fait que le PG potentiel depuis longtemps, le PG potentiel est le parti le plus structuré en République de Guinée. Vous pouvez le vérifier, le dernier village de Guinée, vous trouverez une structure de parti. Et c'est ce qui fait que nous gagnons toutes les élections. Depuis que le parti est créé, le parti potentiel gagne toutes les élections parce que c'est un parti national. C'est un parti national. Cet aspect échappe à beaucoup de personnes. C'est un parti national qui a ses structures dans tout le pays. Encore, nous voulons renforcer ces structures. La preuve est que aujourd'hui, nous avons la mairie de Gaoua. Donc, le PGR est un parti national. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas comprendre. Mais c'est comme ça. Nous pouvons renforcer cette structure-là. C'est pourquoi les missions sont aujourd'hui à l'intérieur du PGR. Pour mettre les structures de base, c'est-à-dire les comités de base en place. Afin que le responsable soit beaucoup plus rapproché du militant, beaucoup plus rapproché de l'électeur. Pour qu'à chaque élection, encore, nous puissions davantage renforcer notre pouvoir, renforcer notre victoire dans toutes les préfectures. Je crois que la stratégie est bonne et dans un mois au maximum, nous aurons les résultats. Mais quant à vous, nous vous demandons de les recevoir bras ouverts. Ils seront avec vous dans les quartiers, dans les différentes sections, surtout les sections. Nous demandons aux structures qui sont déjà installées de les recevoir à bras ouverts. Qu'ils ne viennent pas pour remplacer quelqu'un, ils ne viennent pas pour chasser quelqu'un. Au contraire, renforcer le parti de la base au sommet. Mettez-vous en tête que personne ne sera exclu. Ce n'est pas une exclusion, c'est le renforcement du parti. Personne ne sera mis dehors. Tout le monde aura sa place dans ce parti. Chacun va jouer son rôle, sauf celui qui veut se faire exclu. Chacun jouera son rôle pour faire gagner notre grand parti, pour que nous puissions aller de victoire en victoire. Et nous sommes convaincus que cela arrivera. Donc,
nous comptons sur vous. Mobilisez-vous pour renforcer cette restructuration. Donnons la force aux, à ceux qui sont partis. Mettez-vous en contact avec eux. Travaillez avec eux dans l'harmonie pour que nous puissions avoir un résultat et une bonne restructuration de la base au sommet. Nous comptons sur vous et nous sommes à votre disposition comme d'habitude de vous